Allez, on continue. Et bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de... Dark Souls 2 Scholar of the First Sun. C'est celui de gauche, pas celui de droite. On va aller sur un stream de Cyprien Gaming, on va faire... Venez voir Dark Souls. Oh putain. Ça peut être non seulement de la bonne pub, mais en plus de la mauvaise pub. C'est fou, non? Le problème, c'est d'ailleurs qu'il y a beaucoup de gens qui détestent ces pubs. Ils comprennent pas que la plupart des gens ne peuvent pas fonctionner si on parle pas d'eux. C'est terrible. Parce qu'en même temps, il y a aussi beaucoup de gens qui sont jaloux du fait qu'il y a des gens qui fonctionnent. Puis ils sont là en mode, non mais je veux pas qu'il y ait plus de gens qui réussissent à faire de YouTube ou des streams leur métier. Parce que je trouve que c'est que des branleurs, ils bénéficient en rien à la société, patati et patata. Oui, parce que clairement, un animateur télévision, ça bénéficie plus à la société, franchement. Il est où? Je l'avais vu, il est parti où ce con? Là. Mais arrête de bouger, putain. Mais tu m'énerves. Mais... Il a dodge dans mon attaque, ce con. Ah, merci, crève. Bon, est-ce que j'arrive à l'ouvrir sans me faire backstab? D'évidence, il n'y a personne qui vient. Il y a ce mec là-bas. Et il n'est pas venu. Je vais quand même aller le tuer. Ah, il était derrière l'arbre, ce con! Merde! Je suis invisé en plus, hein. Putain, tu m'énerves. Mais ils sont deux! J'aime bien, c'est que ces flèches, elles deviennent visibles, tu sais. Il les met dans son carquois, elles sont visibles. Enfin, c'est carreau d'arbalète. Ah, j'ai frappé un arbre. Je crois qu'il y en a un qui est tombé dans le vide. Non, mais il a tapé l'arbre. Bon, on va avancer. De toute façon, je crois que j'ai trouvé tous les trésors de la zone. Pousse-toi, toi. T'aimes pas Link? En fait, Link et Terracide, leur format de vidéo, c'est vraiment pas ce qui me plaît. Parce que les mecs qui font des vidéos juste pour des blagues, puis au fi... En fait, ils font des blagues sur les jeux, dans les jeux... Ils prennent que les moments drôles. Mais moi, si je regarde une vidéo avec un jeu, c'est parce que j'ai envie de regarder le jeu. J'ai envie de regarder une compilation de moments drôles. Si je voudrais regarder une compilation de moments drôles, je rechercherais des vidéos où il y a des gens qui se font mal par accident. Ça, c'est drôle. Benzaï, par contre, c'est beaucoup plus le format de vidéo que j'apprécie. C'est un format de vidéo reposé, tout le bordel. Où il montre vraiment le jeu. Et il le commente, il fait des blagues et tout le bordel. Ça, c'est un truc que j'adore. Mais bon, il paraît que ça, c'est ça a de moins en moins de succès, c'est moins bien. Faudrait faire de l'editing, faudrait faire que les passages drôles. Et ça aussi, c'est un problème. Faire que les passages drôles. Vous êtes marrants, les gars, hein. Quand vous vous détestez vous-même, comment vous faites pour décider « Ah, ça, ce que j'ai fait là, c'est drôle. » Vous pouvez pas. Alexandre, tu te souviens du jeu que Light a pas aimé? Lequel? Non mais casse-toi du coffre, toi, merde! Je me dis rien.
Que par hasard, le jeu qu'il n'aime pas, c'était Oceanhorn. Parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui préfère, n'aime pas trop quand je fais du Oceanhorn. Qui m'a été demandé d'ailleurs par Lanes. D'ailleurs, ça me permet de vous rappeler, n'hésitez pas à me demander de faire des jeux. Parce que très souvent, je suis vraiment en manque d'idées. Donc, s'il y a un jeu que vous voulez me voir faire, n'hésitez pas à le dire. J'envisagerai de le faire. En plus, en général, vous pouvez dire à peu près n'importe quel nom. Vous pouvez être sûr que je l'ai. Donc bon. J'étais maudit. Que tu as une titanite scintillante. Fragment de titanite. Éclat de titanite. Parfait. J'en ai eu combien? Un. Faudrait deux. Attends, quoi? Light n'aime pas le... n'aime pas The Witcher 3. D'ailleurs, je suis en train de me demander. The Witcher 3, je l'ai fait en live? Parce que oui, au cas où vous n'étiez pas au courant, j'avais fait Witcher 3 au complet. Il était d'ailleurs sur la chaîne. Mais je me suis débarrassé d'absolument toutes les vidéos. Bonjour monsieur. Je sais que ça sert à rien de vous tuer. Moi je voudrais bien te voir faire rourou. To full volleyball fan. Oui, ça c'est vrai que c'est prévu. C'est vrai que je suis un petit peu le connard qui dit non mais conseillez-moi des jeux. Puis je suis là en mode ça fait depuis juillet qu'on m'a conseillé de faire To full boyfriend en fait. ça viendra, hein, t'en fais pas. Je l'ai le jeu. The Witcher 3, j'aime pas non plus les sous d'ailleurs. Non mais, like day, qu'est-ce que tu fais sur stream? Le mec, il aime pas les sous, il est limite toujours là. Attends, tu es en train de me dire que tu es là pour moi? C'est trop gentil. À part ça, on m'explique pourquoi sa tête est minuscule alors que son corps est putain de géant. Une Unicam Studio. Ça tu vous bloque le chemin. Merde, j'ai plus de fragments de branche de yore. Ah mais je peux faire ça depuis l'autre côté. Oui. Aïe. Ça fait putain de mal. Ah, ouch. Bordel. Parlons un peu. Ah, it was you who vanquished my body. Oui. It is my body, you see, and I can sense what I do not. If you. Je ressentais ce qui lui arrivait. Why? I cannot. I was. Vous croyez que si son corps s'est fait pétrifier, but fucked, il le sentait aussi. Ouais, en fait, casse-toi, je m'en vais. Au revoir. Ah oui, mais maintenant, par contre, je peux l'invoquer vu que j'ai tué son corps. Putain, Light Day qui, d'après lui, le seul jeu qu'il a vraiment aimé me voir jouer, c'est Resident Evil 4. Et ben bordel de merde, t'es infidèle, hein. Et Mirror's Edge. Lequel? Mirror's Edge normal ou Catalyst? Ah, Catalyst, attends, c'est un petit peu parce que tu me l'as conseillé que j'y ai joué. Et d'ailleurs, je t'en remercie toujours. Il est vraiment très bien. Oh oh.
Ah, tu m'as raté! Moi, j'ai réussi. Merci le voisin et la perceuse à cette heure-ci. Niquez-vous. Bah écoute, à cette heure-ci, il a toujours le droit. Hein. C'est un putain d'emmerdeur professionnel, mais il a le droit. Enculé. La perceuse à 7 h du soir, quoi. Merde. Moi, il faudrait que j'accroche mes tableaux, d'ailleurs. C'est pas vraiment des tableaux, en fait, c'est des posters encadrés. Ça fait plus classe, vous voyez. Je suis adulte, c'est mieux d'avoir des cadres plutôt que juste des posters. Et tous ces posters viennent de Chatbase, si ça vous dit quelque chose. Et les motifs sont très très bien. Faut juste que je les accroche. Tu as aimé les deux Mirror's Edge? Eh ben, content que tu aies aimé. Les mecs font... Coucou, bah. Vous croyez qu'il me parlait? Oh, qu'est-ce qu'on s'en fout après tout? En fait, c'est le seul qui a pas l'air maudit. Merde, si ça se trouve, il me parlait en fait. J'ai jamais essayé de lui parler en fait. On ne saura jamais. Non, mais très bien. Allons voir Pornifex. Ornifex. Je commence à confondre avec des noms de d'animation, moi. Oula, c'est dangereux, c'est dangereux. Oh, c'est très dangereux. Titanite scintillante, c'est cool ça. D'ailleurs, n'hésitez pas à chercher Pornifex si vous avez plus de 18 ans. Très bonne animation. Par contre, faut être fan, hein. C'est verrouillé. M'en fous. C'est verrouillé, mais je... On tape que c'est verrouillé, pète-moi cette porte. Pas l'ouvrir. On va penser que je pourrais la péter. Ouais, le boss ultra secret de Dark Souls 2. Bon, allez, je re dans pas longtemps. Attends. Je vais re... Pas long le temps de merde la perceuse du voisin dans son cul. Ok. Merde la perceuse du voisin dans son cul. Un concept. Qu'a tout le tête. The fuck? T'es un vrai fantôme? Il agissait bizarrement? Y'a pas Creighton ici? Comme qu'il y a Creighton ici. Oh et merde, je suis maudit. Connerie. Aïe. Oh, tu m'énerves. Oh, tu m'énerves. Bon, tu m'énerves vraiment. On va te faire foutre.
Non. Voilà, dans ta gueule. Ces fucking vases, ils sont chiants. Ça n'a pas pris longtemps, il a bien voulu le faire de lui-même. Ah! Non! Il y a un coffre ici. Ça me fait rire. Clayton, mon poteau, salut! Ah mais en fait je suis en train de me demander, ce serait pas lui qui a mis les vases un peu partout? Étonne une confession? Menteur droit devant. Bah non, clairement c'était toi le menteur. Attention, là il faut remarquer que ça, eh ben c'est pas du vrai sol. Y'a rien à récupérer ici, y'a rien à récupérer ici. Oui! Bonjour monsieur, mon âme n'est pas assez sombre, non? Les ténèbres viennent à peine d'être en vous. Laissez-les vous envahir, vous prendre totalement à l'intérieur de vos fesses. Non? Et monsieur. Sur PS4, ils ont sorti un jeu Hatsune Miku. Ah, je sais pas, moi j'y jouais sur PSP. Génial. Bon. Eh ben du coup, merci beaucoup d'avoir suivi et à la prochaine. Bye.